Ce sont deux célèbres divorcés qui ont su apaiser leur relation. La reine consort Camilla et son premier mari Andrew Parker Bowles s'entendent bien aujourd'hui. Au point qu'il sera parmi les invités du couronnement de son ex-femme et de son nouveau mari le 6 mai prochain. Pourtant, la situation entre eux a longtemps été tendue. D'autant que l'histoire entre Charles III et Camilla a commencé alors que cette dernière était encore mariée. Cette relation adultérine a été très dure à vivre pour Andrew Parker Bowles, affublé d'un surnom très peu flatteur par ses amis. À partir du moment où l'affection du prince Charles pour son épouse est devenue une information connue du monde entier, les amis d'Andrew Parker Bowles se sont mis à l'appeler Ernest, en référence au pauvre mari de Holly Simpson, avait confié l'expert royal Anthony Holden. L'histoire de Holly Simpson, une Américaine qui épousa en 1928 un certain Ernest Simpson, a notamment fasciné, car lors de son mariage, son époux l'aurait autorisé à avoir une liaison avec le prince de Galles Édouard VIII. Reine Camilla, découvrez les membres de sa garde rapprochée. La princesse Diana, pas non plus dupe si Andrew Parker Bowles était loin d'être dupe quant aux infidélités de son épouse, la princesse Diana savait elle aussi pertinemment que le prince Charles n'était pas un modèle de fidélité. Un triangle amoureux dévastateur que la défunte avait déjà évoqué en interview, en 1995, « Nous avons fait un mariage à trois, ce qui faisait un peu trop de monde », avait-elle déclaré. Des propos corroborés plusieurs années plus tard par l'experte royale Cathy Nicole, qui expliquait au Mirror, Diana soupçonnait très fortement que Charles était toujours amoureux de Camilla et ne l'avait pas lâchée depuis toutes ces années. Elle se sentait littéralement coupée, ne pouvant lutter contre cette guerre déjà perdue d'avance, elle se sentait isolée, elle se sentait trahie. Crédit photo, Best Images.